J'envisage une reconversion professionnelle. Quoi ? Je me suis renseignée sur l'ostéopathie et je crois que ça me plairait. Moi, je trouve ça plutôt inconséquent. Ça fait des années que je me rends disponible pour les élèves, pour vous. Je te parle d'engagement vis-à-vis de l'Institut. Tu peux pas décider comme ça de tout abandonner du jour au lendemain sur un coup de tête. Je t'avoue que je m'attendais à un peu plus de soutien de sa part. Je suis content que t'aies enfin trouvé le projet qui te booste. Merci. Ça me fait du bien d'avoir ton soutien. Tu crois que j'ai pas capté ton petit numéro ? Essaie de jouer les confidents pour le foutre dans ton pieu. Mais tu réalises ton niveau d'hypocrisie ou t'es juste trop égocentrique pour ça ? En même temps, je peux pas rester sans rien faire pendant que tu me fais cocu. Tu sais pourquoi il est aussi agressif ? C'est parce qu'il sent que Constance se détache de lui. Même si Constance en veut à son mari, elle partage pas tes sentiments. Mais t'en sais rien, ça ? C'est moi qu'elle aime. J'arrive pas à croire qu'elle puisse détruire sa famille comme ça et en avoir rien à foutre. Putain, mais elle est où ? Qu'est-ce qu'elle fout ? Vous pensez qu'ils vont se séparer ? Je suis désolée que vous ayez à vivre ça. Ok, j'ai compris, Constance. T'as besoin d'être désirée, mais maintenant, t'arrêtes de l'allumer et tu retournes à ta place. Emmanuel peut pas te parler comme ça. Il pourrait essayer de se concentrer sur nous, de repartir du bon pied, mais non, il est juste obsédé par Zachary. Il me pique mon meilleur élève, il drague ma femme, il veut les clés de ma caisse aussi. Ah, je suis au même niveau que la bagnole maintenant ? J'arrête tout. Plus jamais tu me verras croupir ici à t'attendre gentiment pendant que tu pars aux quatre camps du monde. Tout ça, c'est terminé.